Comment planifier et gérer ensemble le développement des communes? La question est au centre des réflexions de ce séminaire de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Il s'agit de créer un cadre d'échange entre les maires de Côte d'Ivoire sur la participation des populations dans la gestion des affaires pour le développement de la commune. On ne peut pas faire le bonheur des populations à leur absence. Il faut donc que tout le monde, chacun soit informé et impliqué dans la gestion de nos communes. C'est pour cela que ce séminaire se veut un cadre de sensibilisation des maires. Les populations sont au cœur du développement de la localité. Elles doivent donc prendre part aux actions initiées par les autorités municipales. On reçoit des critiques des populations parce qu'elles ne savent pas d'abord comment fonctionne un conseil municipal. Et deuxièmement, nous prenons souvent des décisions qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Et nous espérons sortir de ce séminaire avec suffisamment de capacités pour pouvoir confectionner des budgets qui répondent aux attentes des populations. En ce qui nous concerne à Yamsoukro, cette stratégie est déjà qu'on appelle mise en œuvre. Cependant, il y a certains détails qui nous ont été donnés qui méritent donc d'être sus et donc d'être mis en place pour mieux servir nos populations. L'exercice d'un mandat municipal est pour le peuple. Le peuple commence au début et le peuple est à la fin. Donc nous devrons faire en sorte que le peuple soit au milieu, pour ne pas que nous occultons la place du peuple dans ce qui lui appartient au début. Ce séminaire se tient du 6 au 7 février 2015. Il sera également marqué par la première assemblée générale de l'UVICOSI au titre de l'année 2015.